Là, on est bien. Là. Comme on dit, il faut travailler dans la vie. Ah ben. Si on ne travaille pas, après on grossit, on mange. J'aime bien être polyvalent, donc j'aime bien tourner partout. La valeur travail, elle est universelle. Elle concerne la société ordinaire et elle concerne aussi les personnes en situation de handicap. La reconnaissance par le travail, les ESAT ont été créés pour ça, pour que les personnes en situation de handicap puissent être reconnues par leur travail, par ce qu'elles font, par ce qu'elles produisent, et l'utilité qu'elles ont dans la société. Et c'est une forme d'intégration formidable, le travail. Il y a des moments où j'arrive à reprendre, mais là aujourd'hui, ça ne va pas. Elle est retombée. On peut rajouter de la moutarde, mais là, à mon avis. Et j'ai demandé de travailler en cuisine pour montrer, parce qu'à cause de mon tremblement, on me disait Cédric, tu n'arriveras jamais à travailler en cuisine. Il y a des personnes qui m'ont dit, eh bien, ils sont venus me voir de nouveau. Ils m'ont dit, alors t'es où? J'ai dit, en cuisine. Ils m'ont dit, je ne croyais pas du tout que tu arriverais à travailler comme ça. Il y a une ambiance, on arrive à rigoler, même avec mon moniteur d'atelier Dominique, que si on n'est pas bien, on peut se confier à lui. Très sympa. Je changerai rien au monde. Approche droite. Approche droite. Tu appuies d'un coup. Appuie. Tu montes. Tu vois, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. Tu as vu que tu approches droite. Tu pars du bas, tu appuies plus fort et tu montes. Je leur apporte surtout un grand soutien quoi, au niveau sur le poste de travail, quoi. C'est sur les gestes à acquérir, hein. c'est très difficile, hein. Sur le maniement du couteau, sur, vous voyez, comme tout à l'heure, sur la poche, hein, en pâtisserie. Il y en a qui sont arrivés ici où ils avaient très peu de connaissances en cuisine, et au fil des années, c'est des personnes qui sont capables maintenant de cuisiner, quoi, carrément, quoi, avec une fiche de travail, une fiche technique, et qui sont capables, en autonomie, de faire un plat, quoi, entièrement. On est aux alentours de 150 repas le midi et le soir une cinquantaine à peu près.
On va dire, si on part sur une moyenne, c'est à peu près 200 couverts par jour, du lundi au vendredi. On reçoit une cantine scolaire. La relation avec les enfants s'est très, très bien passée, quoi. Ils sont très vite adaptés. Mais ça fait quand même plusieurs années qu'ils sont bien, les enfants. Hein. Et pour certains, ils sont même très contents, et demandeurs pour aller les servir. Quoi. Quand ils arrivent, on le sait. Quoi. Ça anime, on va dire, ça anime la salle magnifique. Quoi. Alors, voilà, donc là on peint. On essaye de peindre bien. Tu t'amuses quand tu viens là ? Oui. Oui, c'est plutôt ludique. Et puis c'est une manière aussi de leur faire travailler manuellement. Voilà, d'essayer de. Et Christophe se débrouille bien pour peindre là aujourd'hui, qui est super, je trouve. Oui. Très bien. Eux, je les ai tous les 15 jours. D'accord. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Sauf Christophe qui lui vient plus souvent. Oui. Il vient comment Christophe? Il vient en vélo? Oui. Oh, t'exagères, il vient pas en vélo. On a fait un peu de tout. Au départ, c'était vraiment de la terre. Et puis ça, voilà, donc il faut trouver autre chose. C'est pour ça qu'on est parti plutôt dans tout ce que vous voyez autour de nous. Il y a plus ou moins d'implications. Mais je crois qu'ils aiment bien quand même voir, parce que par exemple Martin, ils le saluent tout le temps, quoi, quand ils, enfin, ils sont contents de voir, quoi, quand ils arrivent. C'est lui, Martin ? Oui, c'est lui, Martin. On a fait ensemble. Puis ils aiment rire. Et puis je pense aussi quand on rit, ils sont heureux. Enfin, je veux dire, il y a aussi... on allège, quoi, non ? Enfin, vas-y, dis-moi, est-ce que tu en penses ? L'humour, c'est un bon vecteur. C'est vraiment le bon biais pour accéder peut-être à des moments qui sont un petit peu plus compliqués dans la communication, ça dépend des faits entre les éducateurs. Je crois que nous, on rigole pas mal aussi quand on se voit. Mais ils comprennent bien d'ailleurs. Hein, enfin, il ne faut pas être trop ironique non plus. Mais... Sauf que des fois, quand on a un décalage dans ce qu'on leur dit, ils s'arrêtent et puis ils comprennent, ils sourient. Enfin, ils comprennent bien quelque part quoi, que c'est gentil et que voilà, on bouscule un peu. J'aime bien travailler avec eux. Ce sont des gens très attachants. Notre regard sur ce qu'on nous dit être la norme. Voilà, au quotidien, c'est vraiment ça que ça change chez nous. C'est peut-être plus de recul vis-à-vis de la soi-disant norme. Ah non, 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 non.
Ah, mais c'est pas bien, hein. Exactement, c'est le premier moment. Oui, La pluie, la neige, on pouvait pas travailler, on ne s'avançait pas le travail et maintenant on est en retard. Ouais. Il est grand ce chantier. Alors ici qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Alors, à l'origine c'est déjà un parc d'hortensia à l'origine. Donc, qui est tombé à l'abandon, et puis après, enfin à l'abandon, ils veulent le remettre en état, comme c'était quasiment à l'origine. C'est bon, tu t'es repéré? Ouais, c'est bon. On a tombé des arbres l'autre fois pour dégager la coin de. De la pièce, hein, c'est pas comme ça, à côté du restaurant. Ouais. Et on a abattu des arbres, on a coupé des troncs, on a brûlé aussi, on a fait un feu. Et après de là, j'ai enlevé les racines. Et après on a mis des arbres dans des trous, qui étaient dans des sacs, des cerisiers, un peu de tout. Et on les a mis dans le trou. Et là on a enlevé l'herbe comme il faut. On doit égaliser. Revenir d'aplomb, pour que ça fasse joli. C'est vrai que c'est joli, une fois que ça va être quand fleuri, ça va être, fleuri, ça va être ça beau. Ça va plaire aux gens, hein. Les gens vont venir. Hein. Ça va être beau. Ça a été du gros travail. Gros travail. Hein. Tous les jours, on était tous là. Tous les jours, on était là. On a beaucoup, jours, beaucoup travaillé. Là. Ça va faire, je sais pas, peut-être 6 mois qu'on est là. Même pas 6 mois, mais 4 mois. Ouais. Déjà. Ouais, ça fait 4 mois. Mmh. Normalement on a 2700 plantes. Tous les jours, tout le monde, il y avait quelques. Ouais. Tout le monde a participé.
Le territoire n'est pas facile, hein, c'est le milieu rural, c'est la culture de montagne. Il y a le contexte économique qui n'est pas simple, hein, dans ce pays. Mais il y a toujours ce côté un peu à la fois rude et convivial. C'est-à-dire qu'on est, quand on est dans le travail, on est dans la rudesse du travail, hein, parce que bon, le travail quand même ça peut être rude, hein, voilà. Mais quand on est dans la fête, on est dans le partage et l'échange. Et justement, nos activités, au fil de l'histoire, ont toujours été des activités de partage de l'activité quotidienne avec l'ensemble de la population. D'ailleurs, les moments de convivialité sont des moments aussi partagés avec les gens du pays, avec les villageois, avec... voilà. On est content, il y a pas mal de monde. Le but, c'est d'ouvrir l'établissement pour qu'il y ait du lien social, de faire un mélange intergénérationnel, on va dire, parce qu'on a tous besoin les uns des autres, que ce soit des anciens comme les plus jeunes. Les plus jeunes vont mettre la dynamique aux plus anciens, les plus anciens vont donner la sagesse aux plus jeunes. Plus 2000 bras, plus une bouteille de vin, plus 2000 roquefort. C'est aussi important de savoir ce que c'est que le handicap, parce que le handicap, ce sont des gens comme nous, tout un chacun, on a tous des différences et il faut savoir vivre tous ensemble parce que la différence ça fait pas peur, c'est juste une richesse et une complémentarité pour moi. Bien pour 80 dans le coin et on a crié ne débarque pas. Quand on vient ici, tout est ouvert et ça circule et ça partage. Et c'est cette qualité de vie qui fait que aujourd'hui on est encore là, quoi. Très sincèrement, parce que c'est pas simple de maintenir ici un site comme celui-là. Je m'appelle Laurent, je suis arrivé en 87 et depuis 2007, je travaille à Bédarieux au service de la voirie. Le soir, on finit vers 3h30. On va se diriger là en haut où on a les charges. Et on nettoie les rues. On enlève les papiers, tout ça. On en fait du travail. Des fois, pour me mettre en forme, je chante, sans savoir. Ouais. Mireille Mathieu, Annie Corgi, Renaud aussi, Renaud il est bien. Ça c'est parce qu'il s'appelle comme toi, c'est sûr. Et toi tu pourrais nous chanter quelque chose peut-être? Bisous. Plus que le bonheur. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive.
comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Bravo, bravo. Le jour d'appui, le jour d'appui, les tristes mélodies, les soirs d'absence, les soirs de ma chance, les soirs de la vie, et puis je danse le jour de la peine, je danse le jour de des peines, je danse. Je danse quand j'ai de la peine, je danse les jours de des peines, je danse jusqu'à la folie, je danse et j'oublie. Il va falloir que tu affines quand même. Tu affines ça, tu vois. Ouais. Tu rentres là-dedans parce que là, en fait, on a tout fait en tournant, c'est très ouais. bien. Mais maintenant, il va falloir que tu détaches toute cette pièce-là. Parce que ça fait. Tu rentres là, voilà, exactement. Tu rentres là pour ouais. bien montrer la cuisse, d'accord. le haut de cuisse. Ouais, okay. Et après, on attaquera la tête. Pour moi, ça me détend. Et puis, ce que j'aime bien, c'est la pierre, bon, c'est vrai que quand on débute, c'est un peu dur, quoi, parce qu'on s'énerve, parce qu'on ne sait pas trop, et voilà, quoi. Mais moi, j'adore ça. Bon, après, chacun son truc, hein. La main, il faut que vraiment qu'on la mette bien en place. Oui, c'est quand même, bon, c'est les Fables de La Fontaine, donc les animaux sont plus ou moins personnifiés. En réalité, ils ne sont pas tout à fait comme ça, mais de toute façon, après, c'est ta liberté d'artiste d'interpréter comme tu le souhaites. J'aime bien ça, j'aime bien transmettre ma passion, quoi. Et chacun a son caractère, chacun ses envies, chacun. Ils n'ont pas tous les mêmes aptitudes, ils n'ont pas tous la même facilité ou pas de traduire ce qu'ils souhaitent. Il faut vraiment, en fait, c'est vraiment un travail très individualisé, quoi. Il y en a qui sont plutôt indépendants et plus aptes à travailler seuls que d'autres, ou même aussi, après, c'est peut-être une question de caractère. Il y en a qui sont un peu, peut-être, têtus, et j'explique une chose, mais ils font quand même qu'à leur tête, donc, bon, voilà. Mais j'interviens pas pour en faire des artistes, je suis pas là pour en faire des Michel-Ange. De toute façon, voilà, on n'a pas cette prétention-là, mais je considère que c'est...
c'est une activité qui doit les couper de tout. D'ailleurs, de toute façon, n'importe qui pratique la sculpture témoigne de ça. C'est une fois qu'on est plongé dans son projet et dans cette activité manuelle, et aussi, c'est pas que manuel, quoi, c'est aussi mental. C'est tout là-dedans. Hein. Il faut pas aussi. Croire que c'est la tombe aussi. Non, mais il faut en vouloir. Si tu veux faire un truc, il faut en vouloir. Si ça me veut, eh bien, tu y arrives. Paul et Gilles, c'est vrai que ce sont des plus âgés et c'est aussi des personnes qui travaillent, qui sculptent depuis très longtemps. Ils sont bons. Moi, je suis arrivée le 26 mars 2004, donc j'ai commencé par habiter au foyer en bas, au FH. Puis au bout d'un an et demi, j'ai fait une lettre pour aller à l'annexe. Et donc ma lettre a été prise au bout de 15 jours, donc je suis allée à l'annexe et de là, un appartement à Saint-Gervais. Mais je préférais le calme d'un appartement, l'autonomie et... On n'est pas loin de notre travail, et le village lui-même nous plaît, quoi. Voilà, on est à côté de la montagne, il n'y a pas trop de routes qui circulent. Donc voilà, c'est à notre portée, quoi. Moi, je suis arrivé ici en 2005-2006. Comme je suis arrivé ici, j'avais pas de cigarette. J'avais demandé à Audrey de me rouler une cigarette. Elle m'avait roulé une cigarette d'une main. Enfin, je sais pas comment elle s'était débrouillée. Elle était arrivée à me rouler une cigarette d'une main. Enfin, j'ai flashé sur elle à ce niveau-là, quoi. Bah, ça a commencé par une amitié et puis sans réfléchir, je suis allée vers lui et voilà, ça s'est fait tout seul. C'est un coup de foudre aussi. Surtout, c'est à Théo. À Isat, quoi. Isat, c'est à Théo. Moi, ça m'apporte du sérieux, de l'apaisement, parce qu'avant d'arriver au CAT, j'étais quelqu'un plutôt d'agité, grossier, un peu comme un jeune de la ville, quoi. Et en fait, en venant ici, en me disant que j'ai un travail et un salaire, ça m'a beaucoup apaisé. Et c'est là que je me suis aperçu que j'étais une adulte. Donc, voilà. Je me suis beaucoup transformée en positif. Parce que j'avais aussi des phobies du monde extérieur, des gens en général, que ce soit des magasins, dans la rue, j'avais des phobies. Et depuis que j'ai rencontré lui, on a eu fait des campings, on a eu fait plein de choses. Et ça m'a beaucoup aidé à évoluer dans ce sens-là. Donc, j'ai beaucoup moins peur, j'ai très bien évolué. Oui. Le CAT et les autres, quoi. Ils m'ont apporté beaucoup de choses, parce qu'à mon arrivée ici, j'avais absolument rien, quoi. Ce qui s'appelle absolument rien, quoi. Je suis heureux, en fait. Quoi. Je suis heureux, parce que avoir un enfant avec la personne qu'on aime, quoi, c'est important, quoi. Et voilà, quoi. En tant qu'enfant, ça donne envie d'avoir un enfant dans sa vie, quoi. Et j'ai fait ce merveilleux cadeau, oui. C'est un bonheur. En fait, on est heureux, quoi. On est heureux. On doit répondre aux jeunes. On reçoit des jeunes qui, au bout d'un certain temps, nous demandent à vivre dans des appartements autonomes. Et, voilà. Quand on a ouvert l'habitat regroupé à Plaisance, où on a réfléchi à un modèle d'habitat qui serait un modèle qui pourrait être justement reproduit ailleurs, qui est... de créer des habitats avec des appartements individuels, des espaces collectifs, des salles d'activité, voilà, avec des intervenants qui accompagnent les personnes. Ils ont
leur autonomie, mais ils sont sécurisés aussi par rapport au fait qu'il y a autour d'eux de l'entraide possible. Avant de rentrer au Saté, j'habitais en ville. Après les voitures, tout ça, après on m'a mis ici. Je suis depuis 2004, ça fait 9 ans et demi. Après j'ai déménagé plusieurs fois. C'est vrai que je me plais bien, j'ai un plus grand appartement, parce que les autres, ils étaient un peu petits. Après, on a pris un grand appartement, c'était pour Lana. Donc, elle se promène et tout ça. Marie, ça fait 8 ans, je la connais, on est meilleurs amis, on s'entend bien, on rigole bien. Vous vivez mieux depuis que vous êtes là? Oui, franchement, ouais. J'ai une copine à côté de chez moi, comme ça je vois faire la pine. Et je préfère la campagne qu'en ville. C'est plus calme. Je pense que l'intérêt d'une association comme la PSH 34, c'est de développer tout ce qui est possible pour que les personnes aillent autant que possible, avec les accompagnements nécessaires, dans la vie ordinaire. Et c'est à travers ça que nous sommes et que nous devons être créateurs de liens sociaux. Alors c'est vrai que le travail est facteur d'identité, mais je vous dirais que le logement est facteur d'identité, au même titre. Ouais, nickel. Bonjour Fredo. Salut. Tu vas bien? Salut. Julien, t'as? Oui. Et Sergi? Chien aussi. La forme? Allez, on avance les gars. D'accord, on avance. Je te laisse faire. Comme ça, tu leur jettes. Voilà, très bien. Allez, régale un peu. Tu te régales. Oui. Viens voir Pascal. Pascal. On va remplir la brouette, hein. Pour les comptes? Normalement, c'est à... Ah, purée, elle devait me l'envoyer par mail. Un coup, on va faire un peu de jardinage. Un coup, on va faire des petits supports voilà, de peinture. Des petits... On a fait un bonhomme, un épouvantail. On a fait plusieurs petites choses comme ça autour. Et après, à la belle saison, on traie les chèvres, on fait le fromage. Voilà, on fait tout ça. L'idée, c'est que le lieu, ce soit leur lieu, et quand ils viennent, maintenant, ils savent où se trouvent les graines, où se trouvent... Même des fois, ils vont trop vite, il faut leur dire. Voilà, donc, c'est, je pense qu'ils s'y sentent bien. C'est ta petite âme qui t'a piqué, tapé. Il monte sur un arbre. Sur un arbre, te perdre, capetiti, capetiti. Ne lâchera tu, ne lâchera tu, bout. L'état de l'hôpital, il monte sur un arbre de pâte, capé, titi, capé, tout au coupin. Nous la traite, mourir. Les gens, là-haut, c'était le bout du monde. Et nous, nous sommes installés et nous avons fait quelque chose avec un certain nombre d'idées. Nous sommes une association laïque et nous y tenons beaucoup. Nous sommes une association d'hommes et de femmes libres qui voulons défendre nos enfants. Bon, je parle de nos enfants puisque j'étais parent d'enfants handicapés. Mais nous essayons de trouver des solutions pour que ces personnes soient le moins éloignées possible de la société. Au départ, ils étaient peut-être un peu enfermés. Aujourd'hui, la situation fait que nous nous tournons vers l'extérieur et nous essayons
de permettre à ces personnes de vivre au milieu des autres. Maintenant, le CAT, l'ESAT, fait partie de la vie du village. Si l'ESAT n'existait pas, le village serait vraiment désert. C'est une vision de l'association, c'est-à-dire maintenir et même créer, quand il n'existe pas, le lien social entre les personnes qui vivent dans le village, même jusqu'à Saint-Gervais, on peut aller, hein. Et les personnes qui travaillent à l'ESAT. C'est lui qui vous a préparé avec nous la paella. Il est derrière la poêle là-bas. Bon, alors, au nom du foyer rural, je remercie les responsables de l'ESAT de nous associer à cette journée. Voilà. Tout à l'heure, il y aura des activités cet après-midi, donc concours de pétanque, tour en calèche. Voilà, ok. Ben écoutez, bonne continuation. Moi, je voudrais juste saluer Michel, là, qui nous a installé la sono. Ça a démarré par la fermeture des mines, par une catastrophe économique. Il y avait dans la région à peu près 2500 mineurs et toute la population qui vient avec ces 2500 emplois qui ont fermé. La région s'est vidée de sa substantifique moelle. Le préfet de région de l'époque nous a dit « Présentez-moi des projets qui soient valables et on vous les subventionnera. » Moi, j'ai été à la base de deux projets. On a choisi le CAT pour Plaisance. La population a mal réagi. Le maire de Plaisance a eu des doléances de ses habitants qui lui ont dit « Mais vous allez nous amener des fous. C'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bien. » Et le maire de Plaisance, M. Vergély, leur a dit « Mais moi je ne peux pas vous amener les usines Renault. Je vous amène ce que je peux. Je vous amène un centre d'aide pour le travail, il va y avoir des emplois qui sont créés et ils seront créés pour les gens du pays. » Ça a mal commencé. Mais quand on a créé le centre d'aide pour le travail, on a créé une salle polyvalente pour les représentations. Et dans cette salle, on a fait rentrer les gens du pays pour les représentations, pour les fêtes.
ils sont venus à l'intérieur, ils ont dansé, ils ont fait la fête avec nous. Et petit à petit, ça a été le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu cet amalgame entre les gens du pays et ils se sont trouvés très bien avec les personnes handicapées dont ils avaient en première vue une vue assez étroite. Et donc ça s'est très bien terminé. Mal commencé, très bien terminé. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose sur le plan personnel, cet engagement ? C'est-à-dire que moi, j'étais résistant, j'étais dans les maquis pendant l'occupation, j'ai fait 3 ans de guerre et ça m'a marqué. Si on se pose des questions sur la vie, sur la mort, et ce qu'on fait sur cette terre, ce sont des questions essentielles de la vie. Le service à autrui. Si je peux faire quelque chose pour l'autre, celui qui ne peut pas faire, et que je peux faire pour lui.